What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien, surtout dans une nouvelle vidéo en compagnie de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, on est sur K-Faction les amis, il est 1h du matin, je le sais, je fais toujours mes vidéos super tard, parce que j'ai un horaire super décalé. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la présentation de la base de la MST, qui est une très grosse faction sur le serveur. Vous allez voir qu'ils n'ont pas de points au classement, mais ils ont des putains de grosses femmes, donc on va présenter ça aujourd'hui avec notre ami Hunter Viper, qui était un joueur de skill PvP qui est rendu sur K-Faction. Donc un gros merci à tous ceux qui visitent le serveur et qui viennent sur le serveur, qui adorent le serveur. D'ailleurs, on a fait une mise à jour aujourd'hui. On a rajouté, on a enlevé le mur anti-backupé vu que beaucoup d'entre vous le demandaient. On a aussi créé une caisse à golem, à spawner. Donc en gros, vous pouvez maintenant acheter sur la boutique une clé à spawner. Ça coûte 3€ je crois, et vous pouvez avoir des spawners qui varient entre 3 à 4 euros, dépendamment et quoi que ce soit, dépendamment si vous êtes chanceux. Comme là, j'ai été très chanceux, j'ai gagné un spawner Silverfish, qui est un item super rare à obtenir. Les spawners Silverfish, si vous ne saviez pas, dans Minecraft de base, c'est ceux qui donnent le plus d'XP, parce qu'ils sont trouvables seulement dans les Stronghold. Les Stronghold qui sont dans Minecraft, si vous ne savez pas c'est quoi les Stronghold, ben retournez jouer à Minecraft Story Mode ou Minecraft en solo. Et vous pouvez aussi gagner des spawners à golem, mais vous avez des items légendaires aussi. Vous avez le spawner à golem qui est un item légendaire, etc. Vous avez des items comme spawner à slow, vous avez aussi, excusez-moi, je suis fatigué, spawner à squid, mushroom cow, plein de trucs comme ça. Il y a vraiment une caisse de spawner qui vous donne plein de surprises, les amis. Donc voilà, on a aussi sorti un kit farm, donc maintenant vous pouvez obtenir le kit farm, voilà, vous pouvez l'avoir sur la boutique pour l'instant, il va sortir dans le kit Lunch Slash Shop. On a aussi rajouté les tags, donc vous pouvez maintenant acheter les tags pour 300 000 de monnaie via le serveur. Vous pouvez aussi acheter des potions, maintenant à chaque sortie, on a rajouté des PNJ comme ceci, de chaque côté, donc vous avez un PNJ, boum boum, avec des potions, vous cliquez dessus, vous pouvez prendre vos potions avant de sortir en Warzone. Et dernier truc qu'on a rajouté, ben je sais pas si vous étiez déjà au courant, mais on a fait des modifications au niveau des prix, donc il y a quelques petits prix, des items dans le shop qui ont changé. Même chose pour les achats, on a rajouté la bombe mille ainsi que la glowstone, ainsi de suite, voilà. On peut-être rajouter d'autres items dépendamment. Les kits sont quand même vachement pas chers, comme vous pouvez voir, presque tous les joueurs du serveur ont les kits, parce que si on regarde le balltop, c'est super simple de se faire de la monnaie. Aussi, on a rajouté slash guide, vous pouvez voir le nombre de guides qui sont disponibles en ce moment, on n'a qu'un guide qui est disponible sur 3, ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont AFK. Donc pour les guides, si vous êtes guide, vous pouvez faire guide AFK. Et là, ça va vous... si on fait slash guide, ça va pas vous marquer là-dedans. Bon, moi je suis pas guide, donc ça le marque pas. Mais bon, voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'on a fixe? On a fixé plein de bugs. On a fixé un bloc de duplication. On a fixé aussi plein de bugs aujourd'hui. Donc voilà. Donc on va se retrouver pour une interview avec Hunter Viper. Si vous avez envie, les amis, de venir sur le serveur, le lien du site est dans la description, vous téléchargez le launcher. On tourne aux alentours de 400 coups en après-midi, on est 384 aujourd'hui qu'on était le max qu'on a été dans la journée. Donc c'est aux alentours de 400 coups, c'est quand même super depuis le serveur, il est ouvert depuis à peu près une semaine. Ça va faire une semaine ce week-end, donc samedi ça va faire une semaine, donc ça fait 6 jours que le serveur est ouvert et ça tourne autant, toujours aussi bien. On n'a pas eu de gros problèmes de crash ou gros problèmes de lag. Si vous jouez sur le serveur, vous savez qu'à 380 coups, il n'y a aucun lag, le serveur il est parfait, parfait. Donc voilà les amis, je vous aime, on a aussi rajouté vite fait plein d'autres trucs, si vous avez envie de tout savoir là-dessus, go sur le forum, je vous embrasse, let's go. What's up les gars, on se reprend avec Hunter Viper et son ami Jobo. Jobo par exemple, il doit chuchoter parce que ben c'est un enfant de 8 ans, donc il a pas le droit d'être levé à 7h. Donc voilà, donc on va faire l'interview avec Hunter aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai pris l'idée d'un peu de Floss, donc une grosse dédicace à lui si vous avez pas déjà vu ses vidéos, donc voilà. Donc Hunter Viper, bonjour. Salut, salut. T'es dans la faction MST. Vous êtes combien dans votre faction? Si on fait F-Show MST, on peut voir que 15. Vous êtes 15, le max. Non, que... non, non, non. 18-19, hein, mais plus. Ouais. On tue tout le monde pour en racheter d'autres. Ok, ouais, vous faites les alternations comme sur les serveurs HF, dans le fond. Ok, ouais, ok. Intéressant à savoir. Comment marche votre système avant qu'on présente un peu le truc, juste qu'on puisse comprendre? Je peux voir que vous avez 2 points au classement. J'ai l'impression que vous gardez vos points parce qu'on va pas se le cacher. On peut voir en ce moment que tu as des bottes en volcanite. C'est déjà super difficile à obtenir. Enfin, bon, toi tu me dis non, mais c'est quand même assez difficile à obtenir. Vous gardez vos points dans vos ossies, vous avez une stratégie particulière, ouais. On est d'accord, ok. Ouais. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez plus l'argent, plus les points, comment vous jouez sur le serveur? Au début de la faction, bah, au début hein, du serveur et tout, on a plus joué de l'argent. Ouais. Puis maintenant, vous jouez les points. Il faut le fermer les points, genre. Là, maintenant, vous avez tout acheté les kits en jeu, c'est ça, c'est pour ça que vous avez fermé l'argent, non? Moi, perso, j'ai acheté 2 kits vu que les autres m'intéressent pas vraiment. J'ai acheté le minerai et l'alchimiste.
D'accord, moi, j'ai l'équipe d'XP. Donc, on peut le présenter vite fait, puis je vais juste... Je peux monter ton Ender Chest ou tu veux pas que je le montre? Ouais, vas-y. Donc, quand même, comme vous voyez, il y a 2 poutres de volcanite. C'est pas le Cotchest, par contre. Il PVP vraiment beaucoup, par exemple. Comme vous pouvez voir, PVP vraiment beaucoup. Cotchest, j'ai pas la permission de joueur, je pense. Attends. Ok, ouais, tant mieux. Non, monte-le pas. Non, je peux pas voir le Cotchest, malheureusement. Yes, sir. Mais, qu'est-ce que vous farmez ici? On peut voir qu'il y a des virus du Nether. Ça, c'est plus pour faire vos potions, comme je peux voir des stands de chez ici. Patate, cannabis. Patate, ça vous sert à faire des patates empoisonnées, non? Ouais. Et le cannabis, vous utilisez quoi? Non. Vous l'utilisez pour le vendre ou pour... Le vendre, ouais, contre des points. Oh, vous avez tout ça en stand-brick, c'est vraiment cool. Mais ok, attendez, vous allez super vite. Là. Ici, c'est quoi? C'est votre truc de spawner? Vous avez combien de spawners? Qui possède des spawners? Je sais pas. Même vous avez des spawners à moutons, à vaches et à moutons. Donc ok, on va descendre ensuite en bas ici. Vous voulez montrer ici. Ah ouais, vous avez fait... D'accord, vous avez des coffres sécurisés juste ici. C'est claim ici, on est d'accord, hein? Ouais, c'est tout claim complet. Okay. Vous avez des champs de cannabis, puis ça descend jusqu'en bas dans le fond des champs. What the fuck? Aussi. Ah ouais, quand même, hein. Puis en bas, c'est dans le fond, c'est vos coffres sécurisés. Est-ce que vous mettez du bon stuff dedans ou c'est juste des trucs pour l'instant, vu qu'on vient de commencer le serveur, pas vraiment. Il y a genre plus des trucs aléatoires, comme. Okay, okay. Mais sinon, plus tard, oui, on va mettre des stuff dedans. Ici, on a un drapeau du Québec, comme on peut témoigner. Et ici, c'était. C'était ici, j'ai présenté dans la vidéo de la madame boss série. Je suis arrivé ici sans faire exprès. Je pensais que le gars, c'était sa base. Mais en gros, on peut voir que vous avez un beacon avec de l'eau de protection autour pour pas que personne puisse venir essayer de le péter. Autour. Vous avez aussi des salles, j'imagine que c'est des salles où ce que chacun d'entre vous a... Des petits rangements. Y a-t-il quelque chose d'autre important dans cette salle-là? Je pense pas. Non, y'a rien d'autre. Ici, vous savez, je sais pas si vous êtes au courant, je vais peut-être vous le montrer, mais si vous mettez sur un panneau comme ça, subclaim, y a que... Fais-le, là, parce que moi je peux pas le faire, je suis pas dans ta faction. Il y a que toi qui va pouvoir ouvrir les portions, donc si jamais tu veux bloquer pour ta faction ou quoi, c'est intéressant. Faut pas oublier que par exemple c'est seulement celle du haut et celle du bas. Donc ceux-là ici pourront pas être ouverts par les autres membres de votre faction normalement, si tout fonctionne. Ça se peut qu'il y ait un petit bug, mais bon. Attends, ici vous avez... vous avez 4... 3 spawners à pig zombie, 2 à squeletton, ou 3 squelettons? Ouais, 3 squelettons. 3. Non, même 4, 1, 2, 3, 4. Et 3 pigs zombies, 1 zombie, 5 squelettons. What tabarnak, attends, je suis perdu. 5 squelettons, 3 pigs zombies, et puis 1 zombie. Donc, ouais, quand même. Et ici, on peut voir qu'on peut farmer un jobo sauvage. Donc, attendez, on va juste essayer de remonter ici. Oh, tabarouette. Ok, je vais me suicider. Ok, merci, c'est gentil. Ici, vous avez protégé vos récoltes de cactus. Ouais, c'est ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. C'est dans ma dernière vidéo, je l'ai dit, je sais pas si vous avez écouté, mais c'est super intelligent comme stratégie. Parce que même si la personne vient ici, c'est beaucoup plus difficile à gaspiller des œufs de creeper pour seulement des cactus. Au final, c'est peut-être pas nécessairement rentable. Donc voilà. Ensuite, si on descend ici, c'est où est-ce que vous farmez. Ok, ici c'est des items de farm, etc. C'est vraiment beau la déco perso. Il y a énormément de stone brick. Bon, ça, on va pas se cacher. 1, 2, 3, 4 spawners de Underman. Vous auriez pu faire un Underman automatique. Dans le fond, vous auriez pu faire juste que quelqu'un se met en haut. Les Underman, ils fall et puis vous allez récolter en bas avec des hoopers et puis de l'eau. Ça aurait pu être vraiment pratique ça aussi. Là, ici, on peut voir, vous avez des coffres privés. Là, je peux pas ouvrir parce que voilà, mais bon. Ici, on a. Ok. Tu vois les Enderpearls, c'est ça? Là, tu vois où? Ici. Y'a de quoi là? Ah, je savais même pas qu'il y avait de quoi. Saute en bas, tu vas voir. Saute en bas. Je savais pas qu'il y avait de quoi, mais... Allez, t'es coincé. Ok, ici, on remonte en haut, c'est par ici, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il y a plein de panneaux? Et est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous avez mis les panneaux comme ça ou? C'est pour retenir l'eau. Ok. Donc, on remonte en haut. Ici, on a encore des coffres. Je peux te taper à moi si tu veux check. Tiens. Faut que tu mènes le truc. Donc ici, c'est quoi? C'est juste des stocks, des coffres de rangement encore, un peu de n'importe quoi. Vous gardez plus vos items dans vos coches et vos... Ok. Ouais, ici, qu'est-ce que vous... Ok, tabarnak, c'est miné en esti, votre affaire, les boys, hein? Clac ici. Mets-toi ici. C'est quoi? C'est des traps, ça? Ouais, ici, ouais. Mais mets-toi ici. C'est pourquoi vous TP kill les gens ici, ou... Non. Mets-toi là, tu vois. Ah non, c'est pas ça. Putain, là c'est ça, vas-y. Hop. Damn, et pourquoi vous TP kill déjà dans cet endroit? Non, c'est parce que parfois on se fait assurer. Je vois.
une protection comme... Ah, c'est pas une mauvaise idée, en vrai. Le concept, il est bon. Tu mets des trappes dans ta propre base, comme ça, ouais. Si jamais tu te fais assaut. Puis la trappe qu'on a vue, je viens de comprendre c'était quoi, alors. C'était pour se protéger si quelqu'un t'attaquait. Tu sautais dans ce trou-là, personne ne peut casser au-dessus de toi. Donc, c'était ça, la trappe qu'on était pris à l'intérieur tout à l'heure. Ici, on peut voir que c'est le système des trappes, dans le fond. C'est le système... Attention, tu souffles dans ton micro, par exemple. Je sais pas c'est qui. Essaye de pas souffler dans ton micro, mon ami. Ouais, c'est quand même vachement propre. Ici, j'ai ouvert les portions. Ici. En haut, qu'est-ce que c'est? C'est énorme, votre base. Vous avez été... Tout le monde de la fac est ici, tout le monde travaille ici, dans le fond, c'est ça? Damn. Et là, oh my god, vous avez acheté les spawners sur la boutique ou vous les avez achetés en jeu? Non, les engrais ont été achetés. 8 spawners golem, vous les avez achetés sur la boutique? Ouais. Damn. Je vous encourage à en acheter encore plus, les amis. Et la récolte, c'est où? C'est juste en bas, dans le fond? Ouais, je vais te le montrer. Bah, où tu voulais aller au début. Ah, ok. Et les deux, trappes d'or. Ah oui, ici. Ah ouais, d'accord. Vraiment énorme sur votre base, les gars, NoFake. C'est incroyable comment c'est grand. Ça a dû prendre énormément de temps, mais malgré que vous avez le beacon, donc. Encore ça va. C'est où, hey, Jobo, c'est où la place qu'on monte les cannes à sucre? On s'y est plus. Moi, j'ai même pas vu la ferme à cactus encore, les gars. La cactus? Ouais, c'est en haut, hein. Va voir en haut, toi. Déjà vu, la cactus. Qui vient ici, hein. Ah oui, la cactus, c'est ça. Dans ma vidéo, ouais. Vous allez est-ce que vous allez continuer à la monter ou vous... Pas beaucoup par contre. Ça, on a pas beaucoup. 2-3 étages. Ouais, ça. On fait pas beaucoup ça que je trouve ça long. Puis, Mais en même temps, genre, même si vous la mettez super haut, ça sert à rien parce que faudra être AFK super haut. Donc au final, c'est pas super super rentableuse. J'ai fait des cactus, je mettais pas à toi. Ton shot de canne à sucre, tu disais. En fait, je me demande c'est comment qu'on y va en vrai. Bon, s'il y va, on a bouché, je crois. Moi, je sais. Okay, bah attends, je vais te taper à toi d'abord. Hein. C'est vraiment énorme votre base, les gars. T'es pas à toi, Jobo, t'es où? Il est juste là. Je t'en tue, j'en tue. Jobo, toi aussi, t'as des bottes en volcanette? Yes. Toutes les membres de ta faction ont des bottes en volcanette ou juste vous deux? Non. La plupart, non, mais genre au moins 3-4 personnes, non. C'est, ah, c'est vous les utilisez pour le speed, on est d'accord, hein? Non, tout court pour les antichutes. Le speed m'en un petit peu fou, mais sinon, l'antichute, c'est parfait. Hein. Dans Warzone, tu prends des dégâts de chute, fait du coup au punch, il est difficile un peu. Genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Fait que c'est ici que vous allez faire un champ de canne à sucre? Ben non, mais. J'ai fait, on l'a enlevé. Il est où? Ah, on l'a enlevé au complet? Ah! Ouais, non, mais on peut pas dire pourquoi on l'a enlevé. Ah non, ouais. Pourquoi vous pouvez pas dire pourquoi vous l'avez enlevé, les amis? Oui, je sais pas. Ah, question, vous avez des mystères, les amis? Ouais, j'ai jamais pas l'avait enlevé en vrai. En gros, là, si je fais un pari, vous me dites pas si je suis correct ou pas, mais dans le fond, il y a quelqu'un qui avait un home dans votre champ à canne à sucre, fait que vous l'avez détruit, puis ou quoi pour. Non, au contraire, le champ à canne à sucre, ça part pas, c'est qu'il y a un home pile ici, le mec, il y a des homes partout en vrai. Okay. Il y a des hommes dans chaque ville. Bah, si, il y a des hommes n'importe où. Vous connaissant, je vous connais, vous devez adorer ça qu'il y ait du monde, qu'il y ait des. Bah, vrai, c'est cool, parce que vous avez tout le temps de l'action dans votre base, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même assez intelligent. Ouais, ça c'est un peu dommage, mais bon. En même temps, ils sont pas cons parce que s'ils viennent stuff avec le stuff que vous avez, les gars, si là. Vous avez été full P4 U3 et U2, c'est ça? Ouais. Puis ici, c'est quoi ça? Ok, ça c'est un bunker en Opsi. Damn. Shit, les gars, vous rigolez pas, hein, vous autres, hein? Non. Franchement, les gars, une super de belle base. Je vais vous. Vu que vous avez pas vraiment beaucoup de points, qu'est-ce que je vais faire, les gars? C'est que je vais vous donner des points. Vu que j'ai donné une récompense dans ma dernière vidéo à travers le combo, j'ai donné un spawner à Blaze. Je vais vous donner 5 points. Point give icons 5. Tiens, 5 points, les gars. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez les partager entre vous. Vu que c'était vous deux qui étaient là. Et puis, franchement, félicitations à vous, Jobo. Je vais juste montrer vite fait ton underchest, si ça te dérange pas, comme on peut voir des P4, Epidot, etc. Et puis vous, les gars, vu que je vais pas vous poser une question plus sur le farm, je vais vous poser une question plus sur le PVP. Qu'est-ce que vous trouvez qui est la meilleure façon pour avoir du volcanite? Parce qu'on sait qu'il y a le temps, puis il y a le KOTH qui va être bientôt mis automatiquement. Là, il y a le KOTH juste aléatoirement. Mais il y a aussi le volcan. Toi, vous, qu'est-ce que vous conseillez aux joueurs qui veulent se faire du stuff rapidement en Epidot et en volcanite? C'est quoi vos conseils que vous avez? Bah, au début, c'est plus du mine. Ouais, c'est plus du mine. Vu que la base est minée. Puis après ça, quand il était au moins P4 Néphaline et tout, soit tu trappes. Soit vu que c'est autorisé TP kill. Ou à la limite, t'essaies de faire les events. Mais c'est difficile parce qu'il y a masse de personnes qui sont genre bot volcanite et tout, genre, maintenant. Ouais.
C'est ça, mais c'est très rare les gens qui sont full volcanite, on est d'accord, il y en a. Le max que les gens ont, d'après moi, là, c'est des bottes, peut-être le casque là, maximum. Ouais, mais il y en a beaucoup de gens au début qui ont été un peu stupides. Je me souviens, dans la première semaine, dans le fond, il y en a qui votaient puis ils obtenaient des volcanites. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des pioches et des épées. Si on calcule stupide, la pioche en volcanite et l'épée, ça vaut pas vraiment le coup. Il n'y a pas énormément de différence. Je pense juste que la pioche en volcanite, on va la rajouter As-2 et l'épée en volcanite, on va lui rajouter quelque chose de spécial, mais pour l'instant ils ont rien de spécial, donc ça vaut pas le coup de les crafter. Ça, c'est mon conseil à vous. Donc les gars, je vais vous laisser vu qu'il y a un volcan qui débute dans 7 minutes, comme on peut voir ici. Il y a un temple aussi, donc vous allez pouvoir aller participer. Je sais pas si qu'est-ce que vous préférez, vous, entre le volcan et le temple. Ouais, le temple. Moi personnellement, je trouve que le temple est trop facile. On va rajouter peut-être une difficulté. Trop facile, puis y a pas assez de loot trouver. Exactement, c'est ça. Je pense que qu'est-ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va améliorer les loot et on va aussi rajouter des blocs plus difficiles à casser. Donc en gros, ça va être un nouveau bloc qu'on va faire qui va prendre des durabilités un peu comme un Destroyer de Core, tu sais. Ouais. Et puis on va aussi peut-être rajouter le Destroyer de Core ici pour avoir plein d'événements qui, tu sais, à plein heure de la journée. Mais qu'est-ce qui est cool avec le volcan, c'est que les personnes qui sont un peu plus pauvres, c'est plus simple pour eux d'aller juste au temple, mettons, parce que les gens, ils jouent plus pour le volcan à l'heure du temple et le volcan, tu sais, quand les deux sont en même temps. Ouais. Ça, c'est intéressant. Bon, je vais vous laisser, les gars. Un gros merci d'avoir participé à la vidéo. J'espère que vos points vont vous être utiles. Et puis, c'était la faction MST, les amis. Qu'est-ce que vous avez à dire pour le mot de la fin? Il est à vous. Grosse dédicace à Alan Wery. Damn, c'est vos amis ou c'est vos ennemis? Ouais, c'est des trousses de... sur ce qui est le PVP, c'est juste pour ça. Bon, ben, dédicace à la Unwary. Je vous embrasse, les amis. C'était Alconz. Ciao, ciao.